pas exactement. Mmh. Et que je voulais des humains. Et là, je voulais des molécules. Welcome to it is your first visit to Japan. It is my first real visit because the only time I've been in Japan, it was just stopping in Tokyo, but flying in fact to another country, New Caledonia. C'est un projet qui travaille sur l'histoire. Là, c'est un projet qui travaille sur Jakarta. Peut-être que vous connaissez pas mal. Sur la ville. Comment est-ce que c'est mon symbole du jardin planétaire. Hein, la libellule oui. Ah oui. Comment on dit une libellule? Tombeau. 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 C'est une entrée en matière pour la prise de conscience du jardin planétaire qui est tributaire de l'eau, sa totalité. Et nous sommes tous dans l'eau. Nous avons l'eau dans le corps. Il y a de l'eau ici, on ne le voit pas. Voilà. Il suffirait qu'il y ait les conditions de la condensation pour qu'on l'aperçoive. Il y a l'eau dehors, l'eau partout, etc. Mais c'est ça qui constitue, je donnerai la définition du mot jardin, elle constitue. La biosphère, elle est cette épaisseur d'eau, plus ou moins vaporeuse, plus ou moins liquide, plus ou moins glacée, plus ou moins ci ou ça. C'est 10 à 12 000 mètres au-dessus du niveau de la mer et 8 000 environ en dessous. C'est pas beaucoup. Et tout ça, ça fait le tour de la planète. Et puis j'ajoute que cette eau, on la boit, on la rejette, et qu'elle a déjà été bu par des plantes, des animaux et des humains, avant nous, avant qu'on la reboive. Et elle circule. Donc on est tous dans le même bain. Et l'animal qui traduit assez bien cette chose-là pour moi, il y en a d'autres, hein, mais c'est assez beau parce que c'est dans la question du recyclage, la verticalité, l'épaisseur de l'eau, comme ça, du jardin planétaire, la larve aquatique vit dans une épaisseur d'eau qui pourrait être l'équivalent, si on voulait, des fosses marines, enfin de l'eau, je disais 8 000 mètres, voilà. Et l'animal change de mue. Au bout d'un certain temps, il vit plus longtemps dans l'eau qu'il ne vit dehors. Mais il s'envole et il explore l'eau de l'air. Voilà. Paysagiste, jardinier, il expliquera peut-être le sens de ces deux mots, enseignant à l'école du paysage de Versailles. Un jardinier, lui, il travaille uniquement avec le vivant, presque uniquement avec le vivant. Et son principal sujet, c'est le devenir de ce vivant, dans la durée, dans le temps.
Donc il est sans arrêt en train de se poser des questions sur la transformation de ce vivant, sur les inventions de ce vivant. J'ai appelé troisième paysage ou tiers paysage l'ensemble des territoires qui servent d'accueil à cette diversité menacée. Je l'ai appelé le troisième paysage parce que c'était le résultat d'une analyse dans une région qui est la mienne en France, marquée par deux types paysagers, la masse forestière et les ouvertures qui sont des clairières pour les animaux, les vaches, limousines, les vaches. Dans aucun de ces deux paysages-là, je n'ai trouvé la diversité. Elle avait disparu. Mais j'ai trouvé la diversité dans des endroits où l'homme ne va pas. C'est-à-dire dans des endroits très en pente, difficiles d'accès, dans des endroits où il y a des gros rochers, dans les endroits où il y a trop d'eau, dans les bords de route où la gestion est très faible. Bref, j'ai la trouvé là où l'homme n'intervient pas. On a parlé de ce qui est, vous avez présenté, donc ce qui est mal vu. Et tout ce qui est mal vu, vous nous avez incité à le regarder. Tsukuranai, de kettei shinai, kaihatsu shinai, といった言葉というのは、先ほどおっしゃられていた第三風紀は何もしないんだということをまさに立証している言葉たちだと思いました。宮城さん先生の大惨事の自然とかの話はすごく興味があって、その荒れ地とか空き家のこととかなかなか考えてはいたんですけれども、今日でユクレマンさんの話をお聞きして、そういう眼差しとか考えててもなかなか気づかないような眼差しとか、この違う文化からそういうことを考えてる方の話を聞いてきて、すごい刺激的で貴重な時間をいただけたなと思ってます、はい、第三の風景っていうのは割と実はいろんなところにたくさんあるわけですけども、日本人はそんなになんか荒れ地とか見てるの嫌いじゃないんじゃないかなっていう面もあるんじゃないかなと思うんです。一方で落ち葉落ちてるだけでも嫌だっていう人もいるし、難しい。なんか価値観が変わればうまく受け入れられるような気がしました、はい、Le jardin du musée du Quai Branly que vous voyez ici. J'ai conçu ce jardin à partir de l'idée de faire un paysage non occidental. C'est-à-dire, il n'y a pas de gazon avec des arbres dessus comme ça. Il y a quelque chose plutôt en rapport avec le principe d'une savane arborée. Pourquoi ? Parce qu'à l'intérieur du musée, on parle beaucoup de culture, d'art et de culture, de civilisations sur la planète qui vivent beaucoup sur la couronne tropicale. Je ne pouvais pas reconstituer une forêt tropicale humide, il n'y a pas le climat pour Paris,
mais je pouvais éventuellement évoquer la savane arborée, c'est possible dans le climat de Paris. La deuxième chose, c'est qu'en lisant les ouvrages sur ces cultures dont on supposait qu'il allait y avoir des expositions, j'ai rencontré la tortue. La tortue tout le temps. Récurrente, puissante, grand symbole. Alors en Asie, elle est cosmophore. Dans la société balinaise, elle porte le monde. Ici, je sais qu'elle a un rôle très important, que certains mots, certains reliefs sont nommés comme ça et ont un rapport avec la tortue. それで今日聞いて驚いたのはですね、話の予想が違っていたのはですね、 まあ、動物生態学エルトンという人が1900年代初めの頃言いましたけれども、まあ始まったわけですが、撹乱という地球上の撹乱というのはですね、大変大きな問題ですけれども、生態学者に言わせれば、あるいは自然保護の人に言わせればですね、極レバーさんを積極的に撹乱を容認するようなお話をされていたけれども、おそらく自然保護主義者が考えればですね、とんでもない話だと。 Que les mécanismes du brassage planétaire sont néfastes pour la diversité parce que ça la met en péril. C'est surtout un point de vue de ce qu'on appelle en Europe la deep ecology, c'est-à-dire les écologistes radicaux. Moi qui me sens très écologiste, je n'ai pas cette position. Je pars de l'observation que j'ai faite en voyageant autour du monde, mais aussi de ce que l'on sait de l'état de la planète au cours de son évolution. Et on sait que le brassage planétaire, naturel avant que l'homme n'intervienne sur la planète, est un des mécanismes de l'évolution. トンボが持っている、まあ、生物多様性ですね、こういうものを水田、モザイク状にあるということをむしろ評価して、ヨーロッパ的に見ると、こういうのは汚いというふうに見えるんですけれども、僕自身作品を作っておりますけれども、絵を描く、アプローチの、ヒントになるような言葉とかが大変たくさんいただけて、すごく刺激的な講演会で、クレバンさんの 言われた自然に寄り添うということがとても心強く思いました。芝って言いますよね。芝ってあの芝。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 芝
Alors moi, je vais prendre une photo comme ça, si vous voulez bien, pour montrer en France toute la multiplicité des petits plats, des récipients, des choses. Oui, bien sûr. 向こうから写真を撮って、うん、その日本料理 の, その、うん、多様 性, 多様性を見せたいっていう、その器もそれぞれね、陶器もあるし、あれば金のものもあるし、でしょ、もちろんその器に入ってるものも。じゃあ何か食べてるふりしない。何か食べてる。ああ、その多様性を。多様性が、器の中も多様性が。ビオディベルスケこれもありますね。そして。長靴持ってるけど、長靴で女の子に入ったらめっちゃ怖い。キャスパー。昔後輩の子の研究で、庭園の飛び石があるじゃないですか、飛び石をその裸装で福祉の感覚に一番合わせてやってるっていうのを研究でやってる子がいて、いやー面白かったですね。男の子なんですけど。あ、そうなんですか。ラベンジ着てて歩かせたりとか。その庭のトゥルーバルね、まあ主に創建当時、この無理やんでしたらやっぱり山形や長良川ヨガ寺家の当時の策定してきたこう思いですね、このトゥルーバルのこれ、けど今そこと今というのをこうちょっとこう向かい合わせて、ね、でそこでなおかつ今にふさわしいものみたいなね、あこれそうそうクラウンドそう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  ça ça coupe. Ah oui, ça coupe. Oui, pour qu'il fasse une taille. Il y en a un autre, un plus petit, une taille plus petite. Non, non, non. Ah, c'est ça. Il est magnifique. Hein. Oui. Katakana, je vous dis. ジルさん、はい、ジル、ありがとうございます。ありがとう。De son livre en japonais intitulé également Le jardin en mouvement, traduit par Yamauchi Tomoki. Alors tout a commencé avec cette plante que j'évoquais dans le jardin, la marque, la grande berce du Caucase, une plante venant de loin,
considérée comme envahissante, alors elle est détestée. Moi, je l'aime. Comment je fais pour la garder? Je sais qu'elle est bisannuelle, c'est-à-dire qu'elle va mourir après avoir fait ses graines. Donc, elle peut se promener dans le jardin. Elle va disparaître après. Peut-être qu'elle va augmenter et envahir un peu. Je vais m'arranger, je vais chercher. Un jour, elle arrive ici, exactement là où il y a un passage. Et je me dis, est-ce que je l'enlève parce qu'elle est dans le passage, ou est-ce que je la garde parce que je l'aime bien, je la veux? J'ai dit non, je la garde et je vais passer à côté. Et c'est elle qui donne, qui justifie le terme de jardin en mouvement. なんて言いますかね、見てるその植物の持ってる力っていうんですかね、植物がこう人にそういうこう生み出す力をくれるっていうのはすごくよくわかるような気がします。そういったその生物相互の生き甄いですよね。そういったものっていうのはその庭の囲いにはとどまらないということを、まあ両者のあのそれぞれの観点から語ってくださったような気がしています。 C'est agréable d'entendre des gens qui vont essayer de proposer des idées nouvelles qui sont durables. Enfin, je pense qu'il a raison quand il dit qu'il faut qu'on se préoccupe de ça, forcément. Est-ce que ça peut s'appliquer dans toutes les cultures? Je ne sais pas. Peut-être que tant que le paysage est là et qu'on a une sensibilité au paysage, oui. Appliquer une idée sous quelle forme au Japon, je pense que c'est les Japonais qui peuvent répondre. まあその多様性だとかそういうのをその重視するというそういうあのクレマンさんの説っていうのはとても面白いんですけど、そこにおけるその美の問題だとかというのはどうなのかなっていう疑問があったので、 例えばその、庭を依頼した人にはどのようにそのクレマンさんの庭を見るのかというのが疑問にあったので、とても今日はそこの、まあ、折り合いをつけながら美しさというのも、考えているんだなというとても納得いく説明があって今日は非常に面白かったです。 D'abord, la culture japonaise, elle est très originale, vraiment particulière dans le monde. Donc, c'est une grande découverte. Enfin, je savais bien qu'elle l'était, mais je ne savais pas comment elle était. Et puis, les jardiniers, justement, ils apparaissent là comme des sortes de magiciens, mais des artistes aussi, et puis des gens qui connaissent les plantes. Et chez nous, c'est quelque chose qu'on a perdu. En fait, il y a eu ces gens-là dans notre culture, mais ils n'existent plus. Donc, c'est quelque chose d'assez important, je trouve. Mais ça redonne beaucoup l'envie de jardiner soi-même. Et moi, je suis de toute façon dans mon jardin souvent.
et j'ai besoin de le faire, je dis que je suis jardinier. Donc, je trouve que c'est très encourageant, oui, de passer par le Japon pour son propre jardin.